Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc en attendant ma prochaine vidéo, je voulais mettre cette vidéo en ligne. Donc c'est l'essai de Godzilla, de la ZZR1400 ou Z1014. Alors possesseur et amoureux de cette moto, je loue un culte et un amour pour cette moto incroyable. Comme je l'appelle, c'est Godzilla. Donc effectivement, ça va certainement plus intéresser les possesseurs de ce fameux missile. Mais ça va peut-être aussi intéresser d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément la Z1014R. Voilà, cet essai va être réalisé par Vincent Perrault, donc le journaliste animateur TV, la fameuse émission 40 degrés à l'ombre pour ceux qu'on connaît, animateur radio aussi, RTL, les grosses têtes, etc. Vincent Perrault aussi, c'est un pilote de dragster. Donc il fallait qu'un pas qui passe du dragster à la Z1014R. Voilà, je vous laisse regarder ce petit essai réalisé par Vincent Perrault. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir attendu, parce qu'inutile de dire, je suis très curieux. On est tous très intrigués d'en savoir plus sur cette nouvelle Kawa. Quand on arrive, elle en impose. Elle est très imposante au niveau carénage. Les carénages, l'esthétique a complètement été revue en fait pour lui donner un côté plus agressif par rapport à l'ancien modèle. Et c'est surtout les carénages ont été travaillés pour un meilleur aérodynamisme. Donc là, la recherche de cette nouvelle moto, c'est plus de puissance et meilleure pénétration dans l'air. Là, au niveau des carénages, on a sur le côté latéral de la moto, on a été les carénages qui ont été complètement ajourés pour un meilleur refroidissement moteur. Et après, toute la face avant qui a été complètement revue, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour une meilleure pénétration dans l'air. Le moteur a complètement été revu en fait par rapport à l'ancien modèle. On a une augmentation de cylindrée. On est passé de 1400 cm3 à 1440. On a une évolution aussi parce que c'est une machine qui a été faite pour rouler à 300 km/h. Donc on a eu en fait au niveau culasse, piston qui ont complètement été revus. Après au niveau refroidissement moteur, on a des gicleurs d'huile aussi qui viennent arroser la calotte des pistons pour pouvoir la refroidir. On a la boîte de vitesse due à l'augmentation de couple et de puissance qui a complètement été revue. Donc les pignons sont plus larges. On a un traitement qui a été aussi fait sur les pignons de boîte de vitesse pour empêcher en fait l'usure. Il doit y avoir un couple infernal. Ouais, on a de grosses accélérations. En fait, ils ont décidé de faire des accélérations pratiquement similaires entre 100 et 200 et 200 et 300 km/h. Est-ce qu'on a honnêtement pas affaire un peu quand même à une moto un peu lourde? Du tout. C'est-à-dire, est-ce qu'on la couche facilement? Est-ce que c'est quand même un sacré morceau? Sans aucun souci, parce qu'en fait le centre de gravité a été rabaissé et en fait la géométrie de la moto a été étudiée pour qu'elle soit le plus maniable possible, même à basse vitesse. Est-ce que ça se pilote ou est-ce que ça se conduit? Il y a possibilité, ça peut se piloter, si vraiment on veut s'amuser sur circuit, bien sûr. Mais un peu là pour ça d'ailleurs. Voilà. Mais après, c'est vraiment une machine qui est dédiée à être une machine routière et plaisante, avec de fortes accélérations pour pouvoir se faire plaisir.
On regarde le tableau de bord. Moi déjà je suis content, je vois des aiguilles. On a gardé en fait le tableau de bord LCD pour toutes les informations et on a gardé en fait les contours et compteurs à aiguilles pour le côté sportif. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous pouvons avoir pleine puissance, on peut avoir un mode low qui en fait se modifie par rapport au Komodo gauche. On peut volontairement, par soi-même, limiter la puissance de la machine. Tout à fait, on peut la baisser en fait de 30%, aussi bien au niveau de la puissance que du couple. Et on a la même possibilité, parce que cette moto est équipée en fait de l'antipatinage, on a trois modes d'antipatinage. On a le mode 1 qui est plutôt un mode circuit, qui permet en fait de faire de légères dérives. Et après on a le mode 2 qui est plutôt un mode routier, et le mode 3 qui est plutôt un mode pour la pluie, où là la moto est vraiment scotchée au sol et n'interdit aucune dérive. Ah ouais. Tu veux dire que on peut en sortie de virage, alors qu'on n'est pas encore droit vraiment en sortie, mettre poignée dans le coin. Tout à fait, sans que la moto se dérobe. Alors vérification immédiate, dernier virage avant la ligne droite des stands, je lâche les chevaux et effectivement ça tient merveilleusement au pavé. Clairement une volonté d'avoir une machine, je veux pas dire une machine de compétition, mais quand même de se rapprocher de cet esprit-là, non ? De se rapprocher un petit peu de l'esprit hyper sportif tout en ayant une moto polyvalente et routière. Une combinaison, des bottes, des gants, un casque et... Et c'est parti. Et on va voir ce qui va se passer. Tout à fait. Ok Glenn, on va voir ça de plus près. L'embrayage qui a été aussi complètement revu par rapport à l'augmentation de puissance et l'augmentation de couple est chose qu'on n'avait pas du tout sur l'ancien modèle, on a un anti-debring. C'est-à-dire comme sur la ZX Deezer, c'est pour éviter en fait de bloquer la roue arrière quand on a une forte décélération. Le
cadre a été renforcé dû à l'augmentation de couple et de puissance. Et après, on a une monte de pneumatique qui est spécifique pour cette machine-là. Les premiers essais qui ont été faits sur circuit à 300 km/h avec des pneus du commerce tenaient que quelques secondes. Donc là, Bridgestone a été obligé de refaire une carcasse pour que le pneu puisse tenir à 300 km/h. Venez regarder les pneus. Enfin, le pneu. La gomme. Il y a un sacré boudin. Il y a un sacré boudin qui est de 190. La gomme a complètement été revue et c'est surtout la carcasse qui a été faite spécifique pour cette moto-là. Je dois dire que vraiment, je me régale à piloter cette moto et je voudrais profiter de cette séquence pour vous montrer aussi quelques images vraiment splendides d'un spot pour ce 1400 ZZR. Qui montre bien que cette moto, c'est un véritable avion sans ailes. Love.